Bah, tiens, laisse cette valise. J'ai pas eu un client. Bon, allons-y, moi je suis pressé. En route. J'arrive. Merci. Bonsoir Agnès. Alors, comment va? Mieux. T'as tout? Mieux aussi, ça va. Encore un peu mal, mais moins. Et le docteur? Il est venu tout à l'heure, à midi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il avait l'air satisfait. Il faut que je reste. Excuse-moi. Mais j'en sais rien. J'ai l'impression que ça empire. Oh, mais non, ça va aller. Le docteur a dit que ça ne durerait pas. Tiens, vas-y, avale ça. Je crois que c'est Lisbeth, ça. J'y vais. Ah, c'est toi, Ralph. Ça, papa. Tu viens d'entrer? Oui. J'ai fini plus tôt que d'habitude. Comment est-elle? Le docteur a dit que ça allait mieux, tu vois. Elle raconte que t'es baillé-verne. Lisbeth vient de faire les courses. Ah, tu la remercieras pour nous, c'est gentil. Mais ça va, tu sais, je me débrouille. Qu'est-ce que c'est que cette valise? Ah, ça, c'est une drôle d'histoire. Je l'ai trouvée dans la voiture. On l'a oubliée? Je crois pas. J'allais mettre des bagages et soudain, j'ai vu cette valise dans le coffre. Je suis certain qu'elle n'y était pas avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt bizarre. La partie inquiète, y a rien de marqué? Non, non, pas de nom, ni d'adresse, rien du tout. Comment t'expliques cette présence? J'étais devant la gare centrale quand je l'ai vu dans le coffre. Et plus tard, je sais qu'il y a eu une rafle quand le train d'Istanbul est arrivé. Tu penses qu'il peut y avoir un rapport? J'en sais rien, aucune idée. Bah, je vais regarder cette valise. Ouais, t'as raison. Il n'y a pas de nom, ni d'adresse, pas d'indication. Seulement, c'est une valise assez spéciale, hein. Ça me dit rien qui vaille. Tu sais qu'elle est turque, cette valise? Ah non, j'en savais rien. Pour moi, c'est une valise. Comment ça, elle est turque? Qu'est-ce que tu veux en faire? Je voulais la mettre au bureau des objets trouvés, mais il était fermé. Alors, je le ferai demain matin. Ou bien j'irai la déposer à la consigne. Je suis sûr qu'elle vient d'Istanbul, cette valise. Je vais dire bonsoir à la mère. Bonsoir, maman.
Pas très catholique, c'est tout, hein. Non, c'est rien. Sois tranquille. Ça va, Harald. Va rassurer ton père. N'aie pas d'inquiétude. Ça va s'arranger. T'as pas encore eu de réponse du sanatorium? Si, je peux y aller dans un mois. Seulement, j'ai horreur du sanatorium. Tu sais qu'on ne guérit que là où on se sent le mieux. Et l'endroit où je me sens le mieux, c'est ici. Bonne nuit, maman. Dors bien. Lisbeth a promis de passer demain matin. Elle s'occupera d'elle, t'inquiète pas. Il faut que t'ailles bosser. Ah oui, il faut que je bosse. Mais j'ai toujours peur qu'il arrive un malheur. D'un moment à l'autre. Il faut pas que tu y penses. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, Harald. Allez, en route. Vous roulez, je viens prendre ma valise. Et pas un geste, restez tranquille. Hier matin, il y avait quelque chose dans votre coffre, où l'avez-vous mis? Allez, vous roulez. J'ai remis la valise au bureau ce matin, en venant. Très bien. Vous avez agi sagement, bravo. Je m'en croirai reconnaissant. Je peux avoir le ticket de dépôt? Merci. Vous êtes gentil. Vous êtes prudent, c'est parfait. Avez-vous parlé de ça à quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je tiens à retrouver cette valise. Sans être embêté par personne, vous voyez? Ne vous retournez pas! J'en ai pas parlé à personne. Je savais pas quoi faire, votre valise. J'ai pris soin de la ramener à la maison. Je l'ai planquée. C'est parfait. Tenez, c'est bon. Pour vous dédommager. Non. Non, je vois rien. Vous prenez le sans crainte. C'est la moindre des choses. Vous l'avez mérité. Maintenant, arrêtez-vous. Je vais descendre. Sachez que dans votre intérêt, vous ne parlez de rien du tout. Vous avez compris? Si vous me jouiez un sale tour, vous risqueriez d'avoir de sérieux ennuis. Maman. Je suis pas en retard? Non, Lisbeth. Bonjour, mère. Comment tu te sens? Ça va très bien. Seulement, je te donne du travail. Oh non, ça n'est rien du tout. Je me sens seule chez nous. Harald est au magasin. Je vais te faire quelque chose. Je renouvelle l'appel 3741. Alors, où est passé Dorval? Cela fait deux fois que j'appelle, mais personne ne le contacte. Il y a environ une heure, je l'ai croisé, il était arrêté dans la Königstrasse. Je vais le rappeler. 3741.
Hugo! Ça fait 10 heures qu'on t'appelle. Un taxi est mort dans la Königinstrasse. On l'a trouvé poignardé. Alors, vas-y. Au milieu de la Königinstrasse, en pleine circulation. Ce qui est curieux, c'est qu'il avait encore son portefeuille. Et qu'en dit le toubib ? Un coup dans la poitrine. Ou bien le chauffeur s'est retourné vers son client, ou alors le meurtrier s'est penché sur lui, l'a saisi du bras gauche et lui a porté le coup de la main droite. Et l'arme du crime ? Rien. Des précisions sur l'agresseur ? Monsieur Vessel a noté une chose intéressante. Oui, je passais justement par la Königinstrasse. On passait des appels pour Dornval. Vous êtes sûr ? Oui, le numéro de Dornval est de 3741. Hein? J'ai entendu l'appel et c'est à ce moment-là que j'ai vu Hugo dans la Königinstrasse. Quelqu'un sortait de la voiture. Quelle description ? Description, c'est beaucoup dire. J'ai vu cet homme une minute en passant par là. Je crois que Dornval devait être en maraude parce qu'il ne nous a rien signalé. Si j'arrive à mettre la main sur ce mec, je le descends. Ils sont jamais assez condamnés. Ils s'en tirent avec 10 ou 12 ans, on les libère au bout de 5. Œil pour œil, on devrait les tuer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre un couteau ? Sa femme est au courant. Wilhelmi dit que je ne dois pas téléphoner. Mais il faut pas le faire, elle est très malade. Les mômes sont auprès d'elle. C'est Hugo qui me l'a dit. Alors tu appelles et demandes qui est à l'appareil. Ça peut nous arriver à tous. J'aimerais pas que quelqu'un appelle chez moi. Dornval, Harald Dornval. Quoi ? Il est mort. Oui. Oui, poignardé dans son taxi. Harald, bouge pas d'où tu es, j'arrive, le temps de monter en voiture. Qu'y a-t-il ? Papa est... C'est cette valise ? Vous l'avez mise, papa. Il avait ramené une valise. Elle était environ de cette taille-là. Elle était en plastique, une valise ordinaire, et bleu foncé, avec des serrures en acier tout à fait anodines. Et votre père l'avait trouvée dans le coffre ? Oui, il s'en est aperçu en chargeant un client et il ignorait d'où elle pouvait venir. Devant la gare principale ? Oui, à l'entrée latérale. C'est là que papa stationnait. Après, il a dit qu'il s'était passé une grande rafle au moment du train d'Istanbul. Votre père a sans doute pensé que la valise avait un rapport avec l'arrivée du train. Non, c'est moi qui ai pensé qu'il y avait un rapport certain. J'ai compris tout de suite qu'elle était turque, cette valise, et que peut-être quelqu'un s'en était débarrassé. Était-il de cet avis ? Il croyait ça possible, mais pas certain. Il voulait aller la remettre au préposé du bureau, mais il était trop tard. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette fameuse valise ? Il m'a dit qu'il irait la déposer à la consigne. C'est ce qu'il a fait ? Je suppose, je n'en sais rien. Est-ce que votre mère savait qu'il avait la valise ? Ma mère ? Elle ignore encore que mon père est mort. Elle est couchée, phtisique. J'ai pas eu le courage de la mettre au courant. Ma femme essaie de le lui dire, car je sais que je pourrai jamais. C'est hier, maman, aux alentours de midi. On voulait, mais on n'a pas eu le courage de te le dire. Tu dormais. Pour une fois que tu dormais. Alors personne n'a voulu te réveiller. Environ de cette taille en synthétique et bleu. Synthétique, elles le sont toutes maintenant. Mais quand ça s'est passé ? Samedi. Ah oui, j'étais de service ? Un chauffeur de taxi l'avait amené. Mon père était de taille moyenne et trapu, des cheveux frisés comme moi. Vous avez une photo, montrez-lui donc. Tenez, c'est lui. Oui, je le reconnais. J'en suis sûr maintenant. Je l'ai moi-même reçu. Dedans, on pourrait peut-être voir dans le temps. Oui, naturellement. Stexa, le chauffeur a apporté la valise. Il l'a remise en personne au préposé, mais elle n'est plus à la consigne. C'est du moins ce que le jeune Dornval m'a assuré. Il est persuadé qu'il peut la reconnaître.
Donc, quelqu'un a fait reprendre la valise. Si le propriétaire a pu reprendre son bien, peux-tu me dire pourquoi le chauffeur est tué après? On pouvait tout simplement le remercier. Exact, ça paraît logique. Alors, quelqu'un l'a récupéré. On ne sait pas qui c'est à la gare, ils ne se souviennent de rien. Le docteur Heinz. Il est arrivé et il lui a fait tout de suite une piqûre. Elle s'est endormie. Je n'arrive pas à le croire. Non. Je réalise pas encore. On dirait un mauvais rêve. Lâchement assassiné. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut pas la laisser toute seule. Non, pas question. J'ai pensé qu'on pouvait rester. On se mettra dans le living room si tu veux. Oui, entendu. Mais qui a fait une chose pareille? Pourquoi? C'est affreux. Allô? Qui est là? Quel est votre nom? Danval Harald. Êtes-vous parent avec le chauffeur? Oui, bien sûr. Je suis son fils. Je dois vous parler une minute. Aussi vite que vous pourrez. Il s'agit de quelque chose concernant votre père et vous. Qui concerne mon père, expliquez-vous. Il pourrait être facile de vous joindre, mais est-ce qu'on pourrait s'entendre tous les deux? Oui. Qui c'était? J'en sais rien. Un monsieur qui n'a pas dit son nom. Il veut me voir. Pourquoi ça? Il veut que j'aille à Schwabing, dans la Rambergstrasse au 8. Il voudrait bien me parler. Faut prévenir la police, tout de suite. Non, pas question de le faire. Il l'a dit. Nous ne devons pas appeler les flics. Et pourquoi? Je te le demande. Je l'ignore. Mais je vais le savoir. Harald. Maman. Assassiné.
par ici. Ce qui est arrivé, votre père tué. Ce n'est pas ma faute. C'est la sienne. Il s'est emparé de la valise. Vous étiez au courant? Il désirait la garder pour lui, pour aller la vendre. Il a gardé en outre une partie de la valise. C'est une erreur énorme. Il ne fallait pas. Si votre père s'était tenu tranquille, il serait encore vivant. Il a conservé 10 sachets en plastique. Chacun de ces sachets pèse 1 kilo. Où sont-ils? Ainsi, c'est donc vous. Vous êtes un assassin. L'assassin de mon père. C'est vous qui l'avez supprimé. Assassin! Non! Qui est là? Clyde, police criminelle. Un moment, monsieur. Faut rien lui dire, tu saisis pas un mot. Et j'ai des raisons, surtout pas un mot. Mais j'arrive, tu comprends? Oui, mais tu as dit que le meurtrier... De te taire, tu entends pas un mot. Tu vas disparaître et attendre. Excusez-moi. Dites-moi, on vous a bien arrangé? Ah oui, c'est pas très joli. C'est pas grave, j'ai mon pied de marche. Une mauvaise chute. Chez vous? Oui, il y a une minute. Venez, je vous en prie. Ça doit vous faire très mal. Pas trop, non. Mais pourquoi êtes-vous là? Ben voilà, c'est parce que nous continuons, merci, notre enquête pour y comprendre quelque chose. Nous nous posons des questions. Par exemple, celle-ci. La valise est-elle en rapport avec le meurtre? Qu'en dites-vous? Oui, je crois que oui, oui. Et pourtant, il y a dans cette affaire un détail énorme. Le propriétaire a pu récupérer son bien. Alors, par conséquent, il n'a aucune raison d'avoir tué votre père ensuite. S'il en avait une. C'est qu'il se pourrait peut-être que lorsqu'il est rentré en sa possession, il n'a pas retrouvé tout, mais seulement une partie. Vous pensez à quoi? Eh bien, en étant très direct, est-ce que votre père n'aurait pas gardé une partie de la valise? Vous voulez préciser? Vous croyez qu'il a ouvert cette valise? Que c'est un voleur? Je n'ai parlé que d'une éventualité. Votre père aurait pu en garder une partie. Oui, bien sûr. Vous voulez regarder chez nous? Allez-y, tout est à votre disposition. Je vous ai déjà dit que je ne parlais que d'une possibilité. Oui, entendu. Je suis bien d'accord. Vous êtes gentil, je vais chercher et je reprendrai contact.
Dis-moi alors, qu'y a-t-il? Que voulait-il? Il pense qu'il est possible que papa ait gardé une partie de la valise. Après l'avoir ouverte et vu ce qu'il y avait dedans. Jamais ton père n'aurait osé ouvrir cette valise. S'il l'avait fait. Il a ouvert la valise, Lisbeth, et savait ce qu'elle contenait. Il paraît qu'il manque 10 sachets. Mais qui t'a dit ça? Celui qui l'a supprimé, chérie. Le meurtrier dit que père a pris ses sachets. Dois-je dire à la police que je le sais? Que père a ouvert ce maudit truc, qu'il en a gardé? Peut-être pour vendre cette marchandise? Cela se pourrait bien. Je pense que nous devons nous rendre à l'évidence. Car il manque 10 sachets. Où a-t-il pu les mettre? Il dit qu'il est tombé dans l'escalier. Si tu avais vu un peu sa bobine, on lui a mis la tête en morceaux. Que pense-t-il de notre théorie selon laquelle son père aurait pu ouvrir cette valise? Ça ne lui a pas plu une minute, Stéphane. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien les 10 sachets. 1 kilo. C'est incroyable. Pourquoi a-t-il fait ça? Ça, je me le demande. J'avoue que je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu veux savoir ce qu'il y a dedans? Tu ne le vois donc pas? Dans une valise d'Istanbul, qu'on planque à cause de la police. Il y a eu une rafle à la gare. Ils ont été sûrement informés. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est de la cam. De l'héroïne, sans aucun doute. Mon père, sans le savoir, s'est embarqué dans une affaire de drogue. Tu veux que je te raconte la suite? C'est moi, Danval. Vous vivez encore? Oui, oui, je vis encore. Vous avez de la chance, vous pourriez être déjà dans le trou. Écoutez, j'ai un petit truc à vous dire. Je ne le dirai pas une seconde fois. Je vous donne du pognon pour reprendre mes sachets. Ça peut représenter 5000 marques. Vous êtes un meurtrier. Un meurtrier, meurtrier! C'était lui. Une proposition. Il me propose de l'argent. De l'argent. 5000 marques pour avoir les paquets. Je ne discuterai pas avec le meurtrier de mon père. Qui est là? L'ennemi. Tu es seul? Oui. Ah ben dis donc, t'es sonné. Je te raconterai tout. Amène-toi, Jacob. Vas-y, entre à la cuisine. Salut, Lisbeth. Salut. Je voulais savoir comment vous alliez. Content que tu sois venu, parce que moi, je suis dans la merde. Et pourquoi tout ce fouillis? Est-ce que tu vois ces sachets? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de la valise. Tu sais ce dont je parle? Celle qu'il y avait dans la voiture? Oui. Père a trouvé ces petits paquets. Il les a pris et mis en lieu sûr. Quoi, il les a pris? Oui, il a ouvert la valise. Ce qu'il y a là-dedans, c'est de la drogue. Je suis persuadé que c'est de la drogue. Tu piges? Tu veux me passer un couteau? Je suis sûr que c'est de l'air. Tiens, Lisbeth, va voir maman. Dans un instant, je vais te raconter. Je n'ai plus envie de vivre, Lisbeth. Voyons. Ils m'ont battu à mort et m'ont mis dehors après. Le mec vient de téléphoner. Il m'a proposé 5000 marques pour récupérer ses paquets. Merde. Et la police, tu lui as raconté? Aucun mot. Qu'est-ce que tu crois? Mon père a trempé là-dedans. Il a ouvert la valise parce qu'il se doutait de ce que c'était. De la drogue. Tu crois...
Tu crois que c'est de l'héroïne? Oh, héroïne. Moi, je sais pas si ça en est. Je suppose que ça en est, c'est tout. On va le savoir. Dis-moi, t'as une idée de ce que ça vaut? Ça doit coûter un paquet, ce machin-là. Aucune idée. Qu'est-ce qu'on va faire? Où se trouve la maison où tu as rendez-vous? Rambergstrasse, au 8. Allons-y. Il faut d'abord que Lisbeth te soigne. Ouais, d'accord. Hello? Il n'y a personne. C'est un journal turc. Bien. Bon, alors, tu es prêt? Oui, oui. Oh, Harry, veux-tu me convoquer M. Dornval pour demain? Dites juste une petite question. Ça fait plusieurs paquets de cam, 3 kilos. Il s'agit d'héroïne. Ça fait combien d'oseilles? Aucune idée. L'héroïne? Qu'est-ce que ça coûte? 1,40 g, je crois. Non, ça fait plus que ça. Il la rallonge. S'il n'y a pas de rallonge, de la blanche pure, sans rien d'autre. Un jour, j'ai lu qu'il y avait un mec qui s'était fait piquer avec 5 kilos. À l'époque, les journaux parlaient de 600 000 marks. Et pourquoi tu veux savoir ça? Oh, ben, je te l'ai dit, j'en parlais avec un client ce matin. Je lui ai demandé ce que ça coûtait. Lui, il disait plus d'un million. Il rigolait. Ils disent tous 1 million que ça coûte. Toutes les évaluations sont de 600 000 à 1 million. Et Saoudi le savait. Il a fait le rapport. Et quand il a sorti des paquets, il savait ce qu'il faisait. Ils sont tous des bêtes malfaisantes. Il n'y a rien à en tirer de bon. Du courage, ton paternel. Et il avait une idée dans sa petite tête. Quel genre d'idée? Ah, tu le connaissais mieux que moi, Harald, non? Tu penses à quoi? Voyons, sois pas idiot.
Dieu soit loué, tu es rentrée. J'avais une peur bleue. Pourquoi ça? J'étais toute seule. La maison est tranquille. Donne-moi un schnapps. C'est de la folie. Nous sommes mêlés à une affaire de drogue. Tous. Alors j'irai plus à la police, car la cam est à la maison. J'ai bien réfléchi, Harald. Il faudra s'en débarrasser. La foutre en l'air? Oui. Si tu refuses d'aller à la police à cause de ton père, il n'y a qu'un moyen de s'en débarrasser. Faut pas conserver ce machin-là. Tu en connais la valeur? Un demi-million, peut-être. Ou encore plus. Qu'est-ce que tu as dans la tête, Harald? Je me demande ce que mon père voulait en faire. Harald. Monsieur Dorneval, vous êtes là. Venez. Vous êtes attendu. Bonjour, monsieur Dorneval. Je suis navré de ce qui est arrivé à votre père. Merci. Asseyez-vous, monsieur. On dirait que quelqu'un vous a cogné dessus. Oh, non, non, je suis seulement tombé dans les escaliers. Voulez-vous ne pas vous moquer de moi? Quelqu'un vous a tabassé. Non. Peu importe. Alors, qui vous a tellement bien sonné? Et pourquoi? Mais ça n'a aucune importance. J'aime autant ne pas en parler. Vous connaissez les gens qui vous ont cogné dessus? Non. Je souhaiterais que vous me racontiez. Pourquoi? J'aime autant rien dire. Aucune importance du tout. Pourquoi m'avoir convoqué ici? Je suis certain que vous avez vu aussi le proprio de la valise. Non, non. Vous vous trompez, non? Pourquoi? J'ai pas eu de contact. Monsieur Dorneval, pour moi, il est patent que votre père a dû ouvrir cette valise. Qu'il a sorti ce que contenait cette valise. Selon ce que nous savons, il est certain que les gens arrêtés lors de l'arrivée du train d'Istanbul par nos collègues avaient été repérés d'abord. Ce n'est pas seulement par hasard qu'ils ont pu tous les mettre en taule. Alors je vous demande une nouvelle fois. Est-ce que votre père avait ouvert la valise? Non. Oh que si, monsieur Dorneval. C'est sûr. Tout est là-dedans et je ne veux plus l'avoir chez moi, c'est trop dangereux. Est-ce que Lisbeth est au courant? Je lui ai dit qu'on le collait dans l'Isard. Mais est-ce qu'elle t'a cru? Elle l'a cru, ne t'inquiète pas. Dans l'Isard? C'est fou de coller un million de drogues dans l'Isard. Je vous écoute. Dorneval? Oui. Non? Pardon? Il a encore téléphoné? Il dit qu'il doit absolument récupérer les sachets. Sinon, il t'abattra. Il me tuera. Je m'attendais un peu à ce genre de menace, tu penses? Tu lui as dit que nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien. Alors que veut-il? Maman, je t'en prie. Bouge pas, allonge-toi. Ce sont des ordures, tu sais, maman. Des ordures. Seulement, ils vont me le payer. Ils vont nous le payer à tous. Faut pas s'adresser à des gringalets. Ça sert à rien. C'est des gros bonnets qu'il faut. Ouais. On doit se débarrasser de tout. C'est le mieux, je crois. Pas faire le détail. Faut pas lâcher tout ça par petites doses. Tu veux qu'on fasse quoi? Faudrait qu'on le pèse, t'es malade? Il faut qu'on puisse vendre tout. Oui, on peut y arriver. J'en suis sûr, on vend tout ou rien. Pas question de mégoter. Il faut dire, prenez-nous toute la cam et payez. Plutôt l'inverse. Payez et ensuite prenez tout. Mais comment? Nous, on n'est pas nés d'hier. Non. C'est tout ou rien.
Dans ce coin, c'est plein de camés. Mais ils sont prudents, ils se méfient. On peut essayer de repérer des nénettes. C'est les plus touchés, tu peux me croire. Encore plus que les garçons. On leur parle une seconde et puis on présente la marchandise. Faut savoir ce qu'elles ont dans le ventre. Regarde-moi ces filles, tu peux y aller. Non, t'as qu'à y aller. Pourquoi? J'ai trouvé la trouille, ce sont encore des gosses. Des gosses? Il n'y a plus d'enfants de nos jours. Si tu crois que celles-là en sont. Tiens, prends ça. Il n'y a pas grand-chose juste pour les piquer au jeu. Avec ça, on va pouvoir obtenir ce qu'on cherche, c'est bien ce que nous voulons. On a besoin des noms des trafiquants. Qui est là? Clyde, police criminelle. Bonjour, madame Dornval. Bonjour. Puis-je entrer? Bien sûr. Merci. Vous êtes devenue prudente. Oui, venez par ici. Votre mari n'est pas là? Non. J'ai téléphoné à son bureau, mais on m'a dit qu'il était sorti. Il a pris des vacances, paraît-il. Quoi? Il a pris des vacances? Tiens, tiens, vous l'ignoriez. On va voir là, le portier. Et tu veux que je vienne? Il vaut mieux que tu restes en arrière. Oui, attendez. Allô? C'est vous qui êtes le portier? Ouais. J'ai peut-être quelque chose qui vous intéressera. J'ai une affaire. Vous comprenez? C'est important. Tenez, voilà, prenez ça. J'en ai plusieurs comme ça. Ben, goûtez-y. Vous êtes chauffeur de taxi? Pourquoi? Pour rien. Nous avons la sensation, madame Dornval, que votre mari ne nous a pas dit la vérité. Nous avons l'impression que cette petite valise contenait sûrement de la drogue. Nous avons peur également que votre mari n'agisse avec inconscience et ne fasse une chose qui mette sa vie en danger. Le trafic de drogue est une affaire de professionnels et la branche la plus dangereuse de la criminalité. Je vous prie de bien écouter. Au cas où votre mari ne nous aurait pas dit la vérité et se mettrait dans de sales draps, soyez gentil de me le dire, dans votre intérêt et surtout le sien. C'est exact. Mon mari vous a caché quelque chose. Pour une bonne raison, par amour pour son père. Celui-ci avait ouvert la valise. Mon mari va m'en vouloir de vous raconter ça, mais j'ai une peur atroce. Cette fameuse valise contenait plusieurs petits paquets pleins de poudre blanche. Chaque paquet pesait 1 kilo. Pourquoi n'avoir pas dit ça tout de suite? Et on a eu plusieurs appels. Un homme nous a téléphoné 2 fois. Il voulait récupérer les sachets. Pourquoi votre mari ne nous l'a pas dit? Je viens de vous le dire, il ne voulait surtout pas qu'on sache que son père avait ouvert la valise. Où a-t-il mis les sachets? Mon mari est allé tout jeter dans l'Isard. Il a tout jeté dans l'Isard? Combien? Autant qu'on pourra. Il faut en tirer un maximum. Oui, naturellement. Mais moi, je dois donner une grandeur. Oh, une grandeur. Une limite. Qu'est-ce que je dois dire? Non, je ne vends rien. Faut que je leur donne un prix. Je sais pas, moi, en dessous de 600, ça n'a aucun sens. Alors, combien je demande? Environ 500 000?
500 000, est-ce que c'est suffisant? Il faudrait qu'on se décide. Je sais plus où j'en suis. La question est de savoir où on en est. Combien valent 10 kilos de ce machin? Il a tout jeté dans l'Isard. Il nous prend pour des rigolos. Il a trouvé 10 kilos de cam. Je pense qu'il sait bien ce que ça vaut, une fortune. Et je suppose qu'il veut essayer de les vendre. Sans doute. Ça veut rien dire, sans doute, c'est certain. Mais où est-il? Je téléphone sans arrêt. Il n'est pas encore rentré chez lui. Sa femme est très inquiète. Bon. Elle a de grandes raisons. Alors, rien à faire en dessous d'un demi-million, t'es bien d'accord? Oui, compris. Ben, merde. Une demi-brique, vieux. Quand j'y pense, je frissonne. Ça pose pas mal de problèmes, tu vois, celle-ci. Tu t'en fous, toi, et t'as bien raison. Hugo m'en parlait un jour. Il n'y a pas tellement longtemps. On était bien d'accord. Il faudrait avoir un beau paquet d'oseilles. Eh ben, ça y est. Où sommes-nous? C'est là. Il y a un mec qui attend. Mais je suis pas aveugle. Descends et mets-toi derrière. Tu l'auras devant toi. On va où? À Friedensengel. Allez, asseyez-vous. Montez devant. Un conseil avant tout. Si vous restez tranquille, nous aussi. On a de l'artillerie. Vous êtes muet ou quoi? Est-ce que je pourrais voir votre marchandise? Vous êtes malade, on se promène pas avec. Rien qu'un petit peu. D'accord, très bien. Et vous en avez 10 kilos? Exactement 10 kilos. 10 paquets d'un kilo. 10 paquets d'un kilo. Pourquoi vous ricanez? Aucune importance. Bah, si on fait affaire, vous savez combien ça peut coûter? Vous avez une petite idée? 500 000 en tout. Vous prenez ou pas? On s'en balance. C'est un prix honnête. Un chiffre rond. Il n'y a pas de danger avec votre truc? Non, il n'y a pas de danger. Mais quand ferons-nous l'affaire? Quand vous le voudrez, nous avons le temps. Qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, non? Ben, il faut que je cherche la marchandise. D'ici une heure, je vous la porte. C'est entendu. D'accord, dans une heure. Je vous indique où vous livrez. Son mari n'est pas encore rentré. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Quoi? Qu'il n'ait pas appelé. Quelqu'un le savait également, paraît-il. Oui, un collègue de son paternel, Wilhelmi. Il savait tout. Un collègue, donc un chauffeur? On peut l'avoir en l'appelant par radio. Pas un mot à personne, il a dit. Un demi-million. Il a accepté tout de suite. Pourquoi? Je me demande pourquoi. Parce que c'est donné. J'ai pas demandé assez. Un demi-million, c'est déjà quelque chose. Ah, je sais que c'est quelque chose. Seulement, si j'avais dit 600 ou 700 ou un peu plus, il aurait dit oui aussi. Ah oui, il aurait dit oui aussi. Et n'y pensons plus, Harald. Je disais ça en l'air. Je me contente avec un demi-million, ça me suffit largement. Un demi-million, tu te rends compte? Pour nous, est-ce que tu te représentes? Oui, assez, j'ai entendu. Moi, ça me dégoûte. Je pense à mon père tout le temps. Ça sert plus à rien, Harald, crois-moi. Tu dois penser à toi. C'est pas toi? 36,87.
36. Ta gueule. Ta gueule. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous demandez. 36-87. 36-87. Pas de réponse, je suis désolée. Est-il obligé de répondre ? Oui, parce que c'est le règlement. Il faut que tous les chauffeurs soient en contact constamment. Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, bien sûr, c'est par là. Merci. Oui ? Oui. Oui, il y a quelque chose qui cloche, il me semble. Quelque chose de pas normal. Une minute. Harry. Oui. Ok, noté. Le 3687 ne s'est pas évaporé comme ça. Si quelqu'un le voit, voulez-vous m'appeler, s'il vous plaît? Bizarre qu'il a choisi. Je viens d'apercevoir le 3687 Landsberger Strasse. Il allait vers la gare de Pasing. Et il faut que je retéléphone. Allez-y. Ce sont toutes des ordures. Il va nous faire une saloperie, Harald. Bon, je pense à... Il n'y a pas intérêt à jouer au con. Près de Pasing? Allez-y, j'arrive tout de suite. Voilà. On descend. Tu prends la sacoche. Je passe après toi. Est trop gros pour moi. Alors, on a quand même fini par se retrouver. Thank you.
n'irai plus à la police, car la cam est à la maison. J'ai bien réfléchi, Harald. Il faudra s'en débarrasser. La foutre en l'air? Oui. Si tu refuses d'aller à la police à cause de ton père, il n'y a qu'un moyen de s'en débarrasser. Faut pas conserver ce machin-là. Tu en connais la valeur? Un demi-million, peut-être. Ou encore plus. Qu'est-ce que tu as dans la tête, Harald? Je me demande ce que mon père voulait en faire. Harald. Monsieur Dorneval, vous êtes là. Venez, vous êtes attendu. Bonjour, monsieur Dorneval. Je suis navré de ce qui est arrivé à votre père. Merci. Asseyez-vous, monsieur. On dirait que quelqu'un vous a cogné dessus. Oh, non, non, je suis seulement tombé dans les escaliers. Voulez-vous ne pas vous moquer de moi? Quelqu'un vous a tabassé. Non. Peu importe. Alors, qui vous a tellement bien sonné? Et pourquoi? Mais ça n'a aucune importance. J'aime autant ne pas en parler. Vous connaissez les gens qui vous ont cogné dessus? Non. Je souhaiterais que vous me racontiez. Pourquoi? J'aime autant rien dire. Aucune importance du tout. Pourquoi m'avoir convoqué ici? Je suis certain que vous avez vu aussi le proprio de la valise. Non, non. Vous vous trompez, non? Pourquoi? J'ai pas eu de contact. Monsieur Dorneval, pour moi, il est patent que votre père a dû ouvrir cette valise. Qu'il a sorti ce que contenait cette valise. Selon ce que nous savons, il est certain que les gens arrêtés lors de l'arrivée du train d'Istanbul par nos collègues avaient été repérés d'abord. Ce n'est pas seulement par hasard qu'ils ont pu tous les mettre en taule. Alors je vous demande une nouvelle fois. Est-ce que votre père avait ouvert la valise? Non. Oh que si, monsieur Dorneval. C'est sûr. Tout est là-dedans et je ne veux plus l'avoir chez moi, c'est trop dangereux. Est-ce que Lisbeth est au courant? Je lui ai dit qu'on le collait dans l'Isard. Mais est-ce qu'elle t'a cru? Elle l'a cru, ne t'inquiète pas. Dans l'Isard? C'est fou de coller 1 million de drogue dans l'Isard. Je vous écoute. Le docteur Heinz. Il est arrivé et il lui a fait tout de suite une piqûre. Elle s'est endormie. Je n'arrive pas à le croire. Non. Je réalise pas encore. On dirait un mauvais rêve. L'assassiner. On l'a lâchement assassiné. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut pas la laisser toute seule. Non, pas question. J'ai pensé qu'on pouvait rester. On se mettra dans le living room si tu veux. Oui, entendu. Mais qui a fait une chose pareille? Pourquoi? C'est affreux. Allô? Qui est là? Quel est votre nom? Dorneval Harald. Êtes-vous parent avec le chauffeur? Oui, bien sûr. Je suis son fils. Je ne veux vous parler une minute.
aussi vite que vous pourrez. Il s'agit de quelque chose concernant votre père et vous. Qui concerne mon père, expliquez-vous. Il pourrait être facile de vous joindre, mais est-ce qu'on pourrait s'entendre tous les deux? Oui. Qui c'était? J'en sais rien. Un monsieur qui n'a pas dit son nom. Il veut me voir. Pourquoi ça? Il veut que j'aille à Schwabing, dans la Rambergstrasse au 8. Il voudrait bien me parler. Faut prévenir la police, tout de suite. Non, pas question de le faire. Il l'a dit. Nous ne devons pas appeler les flics. Et pourquoi? Je te le demande. Je l'ignore. Mais je vais savoir. Harald. Maman. Bah, tiens, laisse cette valise. J'ai pas eu un client. Bon, allons-y, moi je suis pressé. En route. J'arrive. Merci. Bonsoir Agnès. Alors, comment va? Mieux. T'as tout? Mieux aussi, ça va. Encore un peu mal, mais moins. Et le docteur? Il est venu tout à l'heure, à midi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il avait l'air satisfait. Il faut que je reste. Excuse-moi. Mais j'en sais rien. J'ai l'impression que ça empire. Oh, mais non, ça va aller. Le docteur a dit que ça ne durerait pas. Tiens, vas-y, avale ça. Je crois que c'est Lisbeth, ça. J'y vais. Ah, c'est toi, Harald. Bonsoir, papa. Tu viens d'entrer? Oui. J'ai fini plus tôt que d'habitude. Comment est-elle? Le docteur a dit que ça allait mieux, tu vois. Elle ne raconte que des bas et verts. Lisbeth vient de faire les courses. Ah, tu la remercieras pour nous, c'est gentil. Mais ça va, tu sais, je me débrouille. Qu'est-ce que c'est que cette valise? Ah, ça, c'est une drôle d'histoire. Je l'ai trouvée dans la voiture. On a oublié? Je crois pas. J'allais mettre des bagages et soudain, j'ai vu cette valise dans le coffre. Je suis certain qu'elle n'y était pas avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt bizarre. La partie inquiète, il n'y a rien de marqué? Non, non, pas de nom, ni d'adresse, rien du tout. Comment t'expliques cette présence? J'étais devant la gare centrale quand je l'ai vu dans le coffre. Et plus tard, je sais qu'il y a eu une rafle quand le train d'Istanbul est arrivé. Tu penses qu'il peut y avoir un rapport? J'en sais rien, aucune idée. On va faire garder cette valise. Ouais, t'as raison. Il n'y a pas de nom, ni d'adresse, pas d'indication. Seulement, c'est une valise assez spéciale, hein. Ça me dit rien qui vaille. Tu sais qu'elle est turque, cette valise? Ah non, j'en savais rien. Pour moi, c'est une valise. Comment ça, elle est turque? Qu'est-ce que tu veux en faire? Il a encore téléphoné? Il dit qu'il doit absolument récupérer les sachets. Sinon, il t'abattra. Il me tuera. Je m'attendais un peu à ce genre de menace, tu penses? Tu lui as dit que nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien. Alors que veut-il? Maman, je t'en prie. Bouge pas, allonge-toi. Ce sont des ordures, tu sais, maman. Des ordures. Seulement, ils vont me le payer. Ils vont nous le payer à tous. Faut pas s'adresser à des gringalets. Ça sert à rien. C'est les gros bonnets qu'il faut. Ouais. On doit se débarrasser de tout. C'est le mieux, je crois.
pas faire le détail. Faut pas lâcher tout ça par petites doses. Tu veux qu'on fasse quoi? Faudrait qu'on te pèse, t'es malade? Il faut qu'on puisse vendre tout. Oui, on peut y arriver. J'en suis sûr, on vend tout ou rien. Pas question de mégoter. Il faut dire prenez-nous toute la cam et payez. Plutôt l'inverse. Payez et ensuite prenez tout. Mais comment? Nous, on n'est pas nés d'hier. Non. C'est tout ou rien. Dans ce coin, c'est plein de camés. Et ils sont prudents, ils se méfient. On peut essayer de repérer des nénettes. C'est les plus touchés, tu peux me croire. Encore plus que les garçons. On leur parle une seconde et puis on présente la marchandise. Faut savoir ce qu'elles ont dans le ventre. Regarde-moi ces filles, tu peux y aller. Non, t'as qu'à y aller. Pourquoi? Je trouve la trouille, ce sont encore des gosses. Des gosses? Il n'y a plus d'enfants de nos jours. Si tu crois que celles-là en sont... Tiens, pense à... Il n'y a pas grand-chose juste pour les piquer au jeu. Avec ça, on va pouvoir obtenir ce qu'on cherche, c'est bien ce que nous voulons. On a besoin des noms des trafiquants. Qui est là? Clyde, police criminelle. Bonjour, madame Dornval. Bonjour. Puis-je entrer? Bien sûr. Merci. Vous êtes devenue prudente. Oui, venez par ici. Votre mari n'est pas là? Non. J'ai téléphoné à son bureau, mais on m'a dit qu'il était sorti. Il a pris des vacances, paraît-il. Qu'elle vient d'Istanbul, cette valise. Je vais dire bonsoir à la mère. Bonsoir, maman. Pas très catholique, c'est tout, hein? Non, c'est rien. Sois tranquille. Ça va, Harald. Va rassurer ton père. N'aie pas d'inquiétude. Ça va s'arranger. T'as pas encore eu de réponse du sanatorium? Si, je peux y aller dans un mois. Seulement, j'ai horreur du sanatorium. Tu sais qu'on ne guérit que là où on se sent le mieux. Et l'endroit où je me sens le mieux, c'est ici. Bonne nuit, maman. Dors bien. Lisbeth a promis de passer demain matin. Elle s'occupera d'elle. T'inquiète pas. Il faut que t'ailles bosser. Ah oui, il faut que je bosse. Mais j'ai toujours peur qu'il arrive un malheur. D'un moment à l'autre. Il faut pas que tu y penses. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, Harald. Allez, en route. Vous roulez, je viens prendre ma valise. Et bon geste, restez tranquille. Hier matin, il y avait quelque chose dans votre coffre, où l'avez-vous mis? Allez, vous roulez. J'ai mis la valise au bureau ce matin, en venant. Très bien. Vous avez agi sagement, bravo. Je me montrerai reconnaissant. Je peux avoir le ticket de dépôt? Merci. Vous êtes gentil. Vous êtes prudent, c'est parfait. Avez-vous parlé de ça à quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je tiens à retrouver cette valise. Sans être embêté par personne, vous voyez? Ne vous retournez pas! J'en ai pas parlé à personne. Vous savez pas quoi faire, votre valise. J'ai pris soin de la ramener à la maison. Je l'ai planquée. C'est parfait.
Tenez, c'est pour vous. Pour vous dédommager. Moi, personne, il a dit. 1,5 million. Il a accepté tout de suite. Pourquoi? Je vous demande pourquoi. Parce que c'est donné. J'ai pas demandé assez. 1,5 million, c'est déjà quelque chose. Ah, je sais que c'est quelque chose. Seulement, si j'avais dit 600 ou 700 ou un peu plus, il aurait dit oui aussi. Ah oui, il aurait dit oui aussi. Et n'y pensons plus, Harald. Je disais ça en l'air. Je me contente avec 1,5 million, ça me suffit largement. 1,5 million, tu te rends compte? Pour nous. Est-ce que tu te représentes? Oui, assez, j'ai entendu. Moi, ça me dégoûte. Je pense à mon père tout le temps. Ça sert plus à rien, Harald, crois-moi. Tu dois penser à toi. C'est pas toi? 36,87. Ta gueule. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous demandez. 36,87. 36,87. Pas de réponse, je suis désolée. Est-il obligé de répondre? Oui, parce que c'est le règlement. Il faut que tous les chauffeurs soient en contact constamment. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, bien sûr, c'est par là. Merci. Oui? Oui. Oui, il y a quelque chose qui cloche, il me semble. Quelque chose de pas normal. 1 minute. Harry? Oui? Ok, noté. Le 3687 ne s'est pas évaporé comme ça. Si quelqu'un le voit, voulez-vous m'appeler, s'il vous plaît? Bizarre qu'il a choisi. Je viens d'apercevoir le 3687, Landsberger Strasse. Il allait vers la gare de Pasing. Et il faut que je retéléphone. Un endroit bizarre qu'il a choisi. Je viens d'apercevoir le 3687, Landsberger Strasse. Il allait vers la gare de Pasing. Et il faut que je retéléphone. Allez-y. Ce sont toutes des ordures. Il va nous faire une saloperie, Harald. Bon, je pense à... Il n'y a pas intérêt à jouer au con. Près de Pasing? Allez-y, j'arrive tout de suite. Voilà. On descend. Tu prends la sacoche. Je passe après toi.
pognon. Oh, moi, j'achète pas. C'est un autre qui fait l'affaire. Le marché est trop gros pour moi. Alors, on a quand même fini par se retrouver. Sûrement informé. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est de la cam. De l'héroïne, sans aucun doute. Mon père, sans le savoir, s'est embarqué dans une affaire de drogue. Tu veux que je te raconte la suite? C'est moi, Dornval. Vous vivez encore? Eh oui, je vis encore. Vous avez de la chance, vous pourriez être déjà dans le trou. Écoutez, j'ai un petit truc à vous dire. Je ne le dirai pas une seconde fois. Je vous donne du pognon pour reprendre mes sachets. Ça peut représenter 5000 marques. Vous êtes un meurtrier. Un meurtrier, meurtrier! C'était lui. Une proposition. Il me propose de l'argent. De l'argent. 5000 marques pour avoir les paquets. Je ne discuterai pas avec le meurtrier de mon père. Qui est là? L'ennemi. Tu es seul? Oui. Eh ben dis donc, t'es sonné. Je te raconterai tout. Amène-toi, Jacob. Vas-y, entre à la cuisine. Salut, Lisbeth. Salut. Je voulais savoir comment vous alliez. Content que tu sois venu, parce que moi, je suis dans la merde. Et pourquoi tout ce fouillis? Est-ce que tu vois ces sachets? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de la valise. Tu sais ce dont je parle? Celle qu'il y avait dans la voiture? Oui. Père a trouvé ces petits paquets. Il les a pris et mis en lieu sûr. Quoi, il les a pris? Oui, il a ouvert la valise. Ce qu'il y a là-dedans, c'est de la drogue. Je suis persuadé que c'est de la drogue. Tu piges? Tu veux me passer un couteau? Je suis sûr que c'est de l'héroïne. Tiens, Lisbeth, va voir maman. Dans un instant, je vais te raconter. J'ai plus envie de vivre, Lisbeth. Ils m'ont battu à mort et m'ont mis dehors après. Le mec vient de téléphoner. Il m'a proposé 5000 marques pour récupérer ses paquets. Merde. Et la police, tu lui as raconté? Aucun mot. Qu'est-ce que tu crois? Mon père a trempé là-dedans. Il a ouvert la valise parce qu'il se doutait de ce que c'était. De la drogue. Tu crois que c'est de l'héroïne? Oh, héroïne. Moi, je sais pas si ça en est. Je suppose que ça en est, c'est tout. On va le savoir. Dis-moi... T'as une idée de ce que ça vaut? Ça... Je suis par ici. Je suis désolé de ce qui est arrivé. Votre père tué. Pas ma faute. C'est la sienne. Il s'est emparé de la valise. Vous étiez au courant? Il désirait la garder pour lui, pour aller la vendre. Il a gardé en outre une partie de la valise. C'est une erreur énorme. Il ne fallait pas. Si votre père s'était tenu tranquille, il serait encore vivant. Il a conservé 10 sachets en plastique. Chacun de ces sachets pèse 1 kilo. Où sont-ils? Ainsi, c'est donc vous. Vous êtes un assassin. L'assassin de mon père. C'est vous qui l'avez supprimé. Assassin! Non!
Dieu, Harald, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'air si mal que ça. Pire encore, c'est affreux. Oh là. Le meurtrier, Lisbeth. J'ai vu le meurtrier de père. J'ai vu le meurtrier. N'ouvre pas. Qui est là? Clyde, police criminelle. Un meurtrier! C'était lui. Une proposition. Il me propose de l'argent. De l'argent. 5000 marks pour avoir les paquets. Je ne discuterai pas avec le meurtrier de mon père. Qui est là? Une ennemie. Tu es seul? Oui. Ah ben dis donc, t'es sonné. Je te raconterai tout. Amène-toi, Jacob. Vas-y, entre à la cuisine. Salut, Lisbeth. Salut. Je voulais savoir comment vous alliez. Content que tu sois venu, parce que moi, je suis dans la merde. Et pourquoi tout ce fouillis? Est-ce que tu vois ces sachets? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de la valise. Tu sais ce dont je parle? Celle qu'il y avait dans la voiture? Ouais. Père a trouvé ces petits paquets. Il les a pris et mis en lieu sûr. Quoi, il les a pris? Oui, il a ouvert la valise. Ce qu'il y a là-dedans, c'est de la drogue. Je suis persuadé que c'est de la drogue. Tu piges? Tu veux me passer un couteau? Je suis sûr que c'est de l'héroïne. Tiens, Lisbeth, va voir maman. Dans un instant, je vais te raconter. J'ai plus envie de vivre, Lisbeth. Voyons. Ils m'ont battu à mort et ils m'ont mis dehors après. Le mec vient de téléphoner. Il m'a proposé 5000 marks pour récupérer ses paquets. Merde. Et la police, tu lui as raconté? Aucun mot. Qu'est-ce que tu crois? Mon père a trempé là-dedans. Il a ouvert la valise parce qu'il se doutait de ce que c'était. De la drogue. Tu crois que c'est de l'héroïne? Oh, héroïne. Moi, je sais pas si ça en est. Je suppose que ça en est, c'est tout. On va le savoir. Dis-moi, t'as une idée de ce que ça vaut? Ça doit coûter un paquet, ce machin-là. Aucune idée. Qu'est-ce qu'on va faire? Où se trouve la maison où tu as rendez-vous? Rambergstrasse, au 8. Allons-y. Il faut d'abord que Lisbeth te soigne. Ouais, d'accord. Pas normal. Une minute. Harry. Oui. Ok, noté. Le 3687 ne s'est pas évaporé comme ça. Si quelqu'un le voit, voulez-vous m'appeler, s'il vous plaît? C'est un endroit bizarre qu'il a choisi. Je viens d'apercevoir le 3687, Landsberger Strasse. Il allait vers la gare de Pasing. Et il faut que je retéléphone. Allez-y. Ce sont toutes des ordures. Il va nous faire une saloperie, Harald.
Bon, je pense ça. Il n'y a pas intérêt à jouer au con. Près de Pasing. Allez-y, j'arrive tout de suite. Voilà. On descend. Tu prends la sacoche. Je passe après toi. L'affaire. Le marché est trop gros pour moi. Je suis navré de ce qui est arrivé à votre père. Merci. Asseyez-vous, monsieur. Que quelqu'un vous a cogné dessus. Oh non, non, je suis seulement tombé dans les escaliers. Voulez-vous ne pas vous moquer de moi? Quelqu'un vous a tabassé? Non. Peu importe. Alors, qui vous a tellement bien sonné? Et pourquoi? Mais ça n'a aucune importance. J'aime autant ne pas en parler. Vous connaissez les gens qui vous ont cogné dessus? Non. Je souhaiterais que vous me racontiez. Pourquoi? J'aime autant rien dire, aucune importance du tout. Pourquoi m'avoir convoqué ici? Je suis certain que vous avez vu aussi le proprio de la valise. Non, non. Vous vous trompez, non? Pourquoi j'ai pas eu de contact? Monsieur Danval, pour moi, il est patent que votre père a dû ouvrir cette valise. Qu'il a sorti ce que contenait cette valise. Selon ce que nous savons, il est certain que les gens arrêtés lors de l'arrivée du train d'Istanbul par nos collègues avaient été repérés d'abord. Ce n'est pas seulement par hasard qu'ils ont pu tous les mettre en taule. Alors je vous demande une nouvelle fois. Est-ce que votre père avait ouvert la valise? Non. Oh que si, monsieur Danval. C'est sûr. Tout est là-dedans et je ne veux plus l'avoir chez moi, c'est trop dangereux. Est-ce que Lisbeth est au courant? Je lui ai dit qu'on le collait dans l'Isard. Mais est-ce qu'elle t'a cru? Elle l'a cru, ne t'inquiète pas. Dans l'Isard? C'est fou de coller 1 million de drogues dans l'Isard. Je vous écoute. Danval? Pardon? Il a encore téléphoné? Il dit qu'il doit absolument récupérer les sachets. Sinon, il t'abattra. Il me tuera. Je m'attendais un peu à ce genre de menace, tu penses? Tu lui as dit que nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien. Alors que veut-il? Maman, je t'en prie. Bouge pas, allonge-toi. Pas de réponse, je suis désolée. Est-il obligé de répondre? Oui, parce que c'est le règlement. Il faut que tous les chauffeurs soient en contact constamment. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, bien sûr, c'est par là. Merci. Oui.
Oui. Oui, il y a quelque chose qui cloche, il me semble. Quelque chose de pas normal. Une minute. Harry. Oui. Ok, noté. Le 3687 ne s'est pas évaporé comme ça. Si quelqu'un le voit, voulez-vous m'appeler, s'il vous plaît? C'est un endroit bizarre qu'il a choisi. Je viens d'apercevoir le 3687, Landsberger Strasse. Il allait vers la gare de Pasing. Il faut que je retéléphone. Allez-y. Ce sont toutes des ordures. Il va nous faire une saloperie, Harald. Bon, je pense à... Il n'y a pas intérêt à jouer au con. Près de Pasing? Allez-y, j'arrive tout de suite. Voilà. On descend. Tu prends la sacoche. Je passe après toi.